I be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. I be like, there she go. She can't stand these hoes. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que ce dimanche s'est bien passé, le dimanche du 1er mai, évidemment, qui s'est bien passé pour vous. Autant que Lyonnais, comme si je fais la vidéo, c'est que je suis heureux, comme vous avez vu, je danse en faveur d'une petite dédicace que je dois faire, bien sûr, parce qu'il faut bien faire une dédicace à des amis, des gens qui sont concernés, qui se sentent concernés dans cette vidéo, évidemment, messieurs. Vraiment désolé, franchement, je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé dans ce match. Surtout, notamment face à l'arbitre, puisque c'est vrai qu'il a fait des erreurs. Moi je le reconnais. Autant que Lyonnais, je le reconnais qu'il a fait des erreurs, puisque dans la main de Dembélé, quand il plonge, après, bon, tu vas dire, le gars, il tombe, on lui tire dessus la main, ou... Et puis voilà, le ballon il touche ici là. Donc après, je sais pas si il devrait avoir penalty, mais j'ai un peu le doute que normalement il y avait penalty. Bon après, c'est l'arbitre qui fait son choix. Il y avait la VAR. Donc, ils ont fait la VAR. Donc ils ont regardé la VAR. Ils ont estimé eux-mêmes, les gens qui sont dans leur PC et tout ça, qui regardent le match. Ils ont regobiné, ils ont regardé bien, ils ont dit. La VAR, ils ont dit qu'il n'y a pas de pénalty. Donc, s'ils disent qu'il n'y a pas de pénalty, ça, c'est pas notre problème. Nous, si vous dites qu'il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas de pénalty pour Marseille. Tant pis. Ça, c'est les décisions de l'arbitre et de la VAR. Vous avez qu'à s'apprendre. Les Marseillais, ils ont qu'à s'apprendre à l'arbitre. Oui, c'est vrai, à l'arbitre. Et à la VAR, ceux qui sont dans les écrans, qui sont en train de regarder, qui se disent, bon, on leur donne le pénalty, il y a pénalty, il n'y a pas pénalty, etc. Donc, la VAR dit non, ils disent tous qu'il n'y a pas pénalty. L'arbitre et ceux qui sont dans leur bureau. Donc voilà, il n'y a pas pénalty, il n'y a pas pénalty. Donc voilà, c'est ça. Après, il y a eu d'autres fautes aussi que les Lyonnais ont fait, etc. Et même des fautes que les Marseillais ont fait. Bon, on va dire que même sur le but de Lyon, à un moment donné, oui, c'est certes, le joueur Dembélé a écrasé le gardien, oui. Je crois que c'est sur la main, ici, quelque part. Il a écrasé le gardien, oui, normalement il y a faute, etc. Bon, moi je suis pas là pour critiquer, pour dire ces choses-là d'arbitre. C'est vrai que quand même les Marseillais, je suis d'accord avec vous. Les arbitres, oui, mais si eux ils disent que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas nous, hein, c'est pas de notre faute. Nous on fait ce qu'il y a à faire, et si on marque et qu'ils disent qu'ils valident, ils valident. Après, si ça a été payé, quoi, ça c'est même pas notre problème. Nous on joue au football et on rentre à Lyon. Là, les Lyonnais ils vont rentrer, ils vont prendre leur quart. Bon, je pense que les Marseillais vont saccager, c'est de saccager les quarts lyonnais, évidemment. Ils vont retourner là, ici à la partie, on les attend ici à Lyon. Donc ils vont venir, puis voilà, ils vont. Avec ces 3 points, j'avais plaisir. 3-0 contre Marseille, c'est pas tout souvent qu'on fait 3-0 contre Marseille. Mais il faut quand même dire que dans ce match, il y avait du 50-50. À un moment donné, les deux équipes se cherchaient. Il y avait 0-0. Et quand Lyon a marqué un but, ça commence un peu à bouger, à s'énerver. C'était tendu entre même Payet et Boateng. Donc, Bosch, l'entraîneur lyonnais, a bien fait de faire sortir Boateng. Puisque là, il commence à être chaud. Il allait mettre un coup de boule. Et je pense qu'il a mis même. Il a mis le coup de boule. Il a touché le joueur, je pense. Et ça commence à être chaud entre Boateng et Dimitri Payet. Donc tout le monde, les nerfs commencent à s'échauffer de partout. Mais on va dire que c'était un match tendu. Mais à la fin, Marseille, le problème de Marseille, c'est qu'ils tiennent et après ils craquent. Il faut tenir jusqu'au bout. S'ils ne tiennent pas jusqu'au bout, Lyon ils marquent, c'est bon, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils ont du mal. Bah, après, il faut quand même dire que Marseille a la Coupe d'Europe. Oui, moi je dis la vérité. Ouais. Autant que voilà, j'ai vu le match. Et je vois que Marseille est dans sa Coupe d'Europe et un peu blessé. Ils savent que ça va être compliqué leur match jeudi en Coupe d'Europe, qu'ils devraient passer pour aller jusqu'en finale de l'Europa League Conférence. Marseille est bien dans son... Ils peuvent même aller en finale, même la gagner, cette Europa League Conférence. Mais bon, en ce moment, c'est compliqué pour eux. Ils ont un peu ce dernier match d'Europa League qui était compliqué.
Donc voilà, ils sont rentrés chez eux en essayant d'oublier ce match. Mais Lyon, ils ont rien. Non, là, rien. Lyon a rien du tout. Donc on est rentré à Marseille pour jouer à fond. Et ce qui a donné, c'est que Marseille, en fait, a su. En fait, le problème de Marseille, c'est ça leur problème de Marseille. C'est qu'en fait, ils tiennent, mais après, c'est fragile un peu. C'est très fragile. Donc à un moment donné, la fatigue y arrive. Des erreurs techniques, etc. et tout, et puis il y a des buts qui rentrent, comme il y a un début qui était en erreur technique, un joueur qui part et ça arrive en contre, en fait, le ballon il arrive en contre à la dernière minute, alors qu'on pense que Marseille va relancer sur le côté et directement un contre lyonnais, et c'est comme ça que le but est arrivé. Donc Lyon a bien joué son jeu, moi je pense que Lyon a bien joué son Lyon, je suis content, oui, je suis heureux, parce que moi c'est mon derby, Marseille-Lyon c'est mon derby, c'est pas Saint-Etienne-Lyon. Donc je suis heureux que Lyon a gagné ce match, mais bon, il faut quand même dire que Lyon, le classement, si vous voyez bien le classement, Lyon est à la rue, donc je pense que Lyon va rester 8e, peut-être va être 7e ou 6e, mais bon, l'Europe, ça va être, pour le moment, ça va être compliqué, puisqu'il va falloir qu'il y ait une équipe qui lâche l'affaire, qui perd serait-ce que 2 matchs pour gratter une place. Mais bon, ça va être très très compliqué. Bon, alors c'était le derby entre OM et OL, les deux Olympiens. Donc voilà, les deux équipes olympiques. Puis voilà, je suis content, franchement, mais c'était compliqué. Hein. Je pensais que Lyon allait gagner pour un petit score, un 2-1. Mais Marseille s'est lâché un peu trop vite. C'est ça le problème, trop vite, ils sont lâchés, ils ont pu jouer. Ils sont passés à l'énerver, etc. et tout. Si tu commences à t'énerver et plus jouer à fond ton match, là, tu es perdant. Donc là, il faut y jouer à fond. Ils n'ont pas su garder leur état de forme. Mais bon, on va dire quand même Marseille est bien classé. Hein. Il ne faut pas quand même, autant que les Marseillais, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes quand même européens. Lyon, on n'a rien. Nous, on n'a rien. On vient que vous battre vous. On vient que battre Lyon. Mais on vient que battre Marseille, excusez-moi. Mais franchement, moi, je suis content. Moi, voilà, ça se passe. Voilà. Ben, après, on va pas être européen. Donc, tant que Lyon n'est pas européen, c'est un peu histoire de gagner contre Marseille. Mais bon, voilà, c'est compliqué de voir que Lyon ne serait pas européen, même pas en Ligue des Champions, même pas en Europa League. Bon, on va se contenter l'année prochaine peut-être du championnat de France, peut-être la Coupe de France. Bon, ça va être compliqué. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Et puis voilà, j'ai acheté un match de qualité entre Marseille et Lyon. Mais malgré tout, Marseille qui a lâché trop vite le match. Puisqu'en première mi-temps, ils étaient très très bien. En deuxième mi-temps, ils ont craqué, ils se sont laissés aller. Et puis voilà, c'est là qu'on voit Marseille, s'ils vont aller loin en Europa League, etc. On voit qu'est-ce que vaut Marseille. Puisque Marseille, cette année, est une très bonne équipe. Moi, je tiens à le dire que c'est une très bonne équipe. Une équipe qui tient bien. Mais bon, qu'il y a des faiblesses, qui des fois ils se fatiguent, quand ils sont blessés, quand ils pensent à un autre match, etc. Ils sont pas bien, et puis voilà. Donc voilà. Mais Marseille est bien quand même, hein. Ils sont deuxième de championnat, ils vont finir deuxième. Pour moi, ils vont finir deuxième du championnat de France. Donc ils n'ont pas à se plaindre, vous n'avez pas à se plaindre, les Marseillais. Vous êtes quand même bien. Nous, on est à la rue. Lyon, ils sont à la rue, ils ont gagné. C'est leur seul derby qu'ils ont gagné d'important de fin de saison. Mais bon, voilà. Alors, on se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Ça va, je suis content. Je suis content, malgré on n'est pas européen. Je suis quand même content, si, je suis content d'avoir battu, qu'on a battu quand même Marseille.